tout à l'heure. Tout à l'heure. Un petit mot, monsieur. Tout à l'heure. Nous allons faire appel de cette décision, qui est une décision protectionniste pour la France, au mépris du droit, au mépris de la sécurité aéronautique. Tout le monde savait que le Concorde ne pouvait pas voler, n'était pas en état de voler, et pourtant, toutes les autorités l'ont autorisé à voler. Et il est advenu sans casse-bord. En France, on veut que la justice soit rendue au nom du peuple français. La décision qui a été rendue a été au nom du protectionnisme français. C'est-à-dire qu'on a voulu chercher à protéger la France, à rendre une décision au nom du patriotisme et non au titre du droit. On s'est éloigné de la vérité, donc de la justice. I'm very shocked by that decision. Which is, nobody knew what could happen with a tire explosion except one person in the world, which is a mechanic in a warehouse in Houston, Mr. John Taylor. This is absurd. This is a very shocking decision for me, yes. J'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, par conséquent, je n'insisterai pas sur le fait qu'il était évident dès le début que Continental était responsable de l'accident et de la mort des passagers de l'avion et aussi de l'équipage. Je dirais que le jugement me paraît complètement conforme à quelques petits détails près à ce que Air France a toujours soutenu et vous ne m'en voudrez pas si je m'en félicite. Oui. On vous attend. 10 ans, mais vous avez de la constance, c'est bien. Vous avez une réaction maintenant? Est-ce que vous croyez que le verdict était juste? Oui, il me paraît juste, oui, mais enfin, je suis un peu fatiguée là, je ne peux pas vous en dire plus. Et ça vous arrive? Oui.